Ariana Droz écrit avec Un tueur à main porte, un roman policier pour enfants, édité chez Bayard Jeunesse et illustré par François Roca. Au sport d'hiver, Daniel s'est brûlé les yeux et est devenu temporairement aveugle. Une nuit, en pleine nuit, il entend une personne crier. Il se précipite à la fenêtre par réflexe, mais bien sûr, il ne voit rien. Mais l'assassin, lui, l'a vu et ne sait pas que Daniel ne peut pas le voir. L'assassin se rend chez Daniel pour savoir, en se faisant passer pour un policier, pour savoir si l'enfant est capable de le reconnaître. Si Daniel ne l'a pas vu, il reconnaît la voix de l'assassin. Il va tenter d'appeler la police. Va-t-il y parvenir? L'assassin parviendra-t-il à lui en empêcher? Ce que vous saurez en lisant Un tueur à main porte.